mentir. Moi, j'avais pas répondu présent. Donc voilà, ça m'était resté en travers de la gorge et je suis quelqu'un de revanchard et de compétiteur. Mon coach pourra le confirmer avec les coups de gueule que je pousse des fois quand je perds un entraînement. Donc voilà, j'ai été vachement critiqué au début de saison. Mmh. Ça m'a pas perturbé plus que ça, j'ai juste utilisé ça comme motivation. Et moi aujourd'hui, je pense pas que ce soit mon meilleur match de la saison parce que j'ai mis des points. Je pense qu'il y a plusieurs matchs où sur les stats ça se voyait pas, mais j'avais fait un bon boulot. Mais malheureusement, on est dans un métier et je pense dans une ambiance, surtout Saint-Quentin, c'est un microcosme où les gens regardent beaucoup les stats, mm-hmm. et notamment les points. Donc voilà, aujourd'hui tout le monde me félicite, etc. Mais moi perso, je suis content, certes, je vais pas faire le mec qui est pas content. Je suis content d'avoir fait un beau match offensivement, mais je pense que des fois il faut regarder au-delà des stats, au-delà des points et notamment. La défense, c'est ce qui fait gagner les matchs. Parce que si aujourd'hui on gagne, c'est pas juste en mettant des shoots, c'est notamment en rendant la vie un peu difficile à Davis, qui nous avait tués au match là-bas, il a mis 14 points d'affilée. Voilà, et c'est ce qui fait gagner les matchs. Donc voilà, on a réussi à reprendre le point d'avérage. Et c'est vraiment. La défense, c'est un domaine où tu es régulier. Ouais, la défense, c'est un domaine où je suis régulier. Maintenant, pour défendre, et pour que ça se voit, il faut qu'on défende à 5. S'il n'y a qu'une personne qui défend ou 3 sur 5, ça se voit pas forcément. Et du coup, on se demande si par exemple, moi en l'occurrence, je suis vraiment si bon défenseur que ça. Par contre, là, il y a une action qui illustre tout ça, c'est quand je mets la pression au petit Imhoff et Smith arrive à venir jaillir, prendre l'interception, aller en contre-attaque. C'est pas moi qui fais l'interception, mais c'est moi qui mets la pression. Et Smith en profite, boum, il va en contre-attaque, il met 2 points. Et je pense que. C'est clé pour enchaîner les matchs, ce qui a fait un peu notre défaut cette saison. C'est dommage que ça arrive un peu tard, mais c'est... Bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire.